D'un coup, comme ça, d'un coup, vous êtes arrivés tous d'un coup, comme ça, tous d'un coup, vous m'avez annoncé, ouais, je sais pas quoi, vous m'avez tous envoyé vos preuves. Oui, je sais, c'est vrai, qu'il vous a escroqué tout ça. Mais il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi tous les gens sont venus après? Il y a un mec qui m'envoie et je lui dis pareil, je lui ai posé cette question. Il m'a dit, Rachid, il m'a menacé de pas te dire si je le dis, je vais me faire péter la gueule. Il va m'envoyer des gens en pétant de la gueule. Et je sais que c'est un mec qui est capable de ça. Parce qu'il a fait ça à des gens, il a payé des gens pour venir péter la gueule à qui il doit de l'argent lui-même. T'as capté? Ouais. Mais je sais, moi, de toute façon, Ramzan a ri. Moi, personnellement, quand j'ai vu qu'il y avait des ardoises ailleurs, parce qu'au début, je croyais que j'étais le seul. Quand j'ai Par vu contre, qu'il y avait des ardoises ailleurs. les NFT, les gars, les NFT, c'est pas Rachid. Les NFT, c'est Younes. Younes, par contre, les NFT sont certifiés. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune arnaque sur les NFT. Les NFT sont réels, ils sont certifiés, ils sont dans la plateforme, ils sont tout. Ne vous inquiétez pas. Ouais, hey, Ramzan, le truc, c'est quoi? C'est que lui, il a tout monté de toutes pièces. Et le problème, c'est que nous, même quand on t'envoyait des messages sur Insta, par exemple, C'est lui si qui on l'a envoyait posé. des